Grich en Bock, on est ici aujourd'hui à Fleury. Lyon est qualifié pour la 7e fois pour la finale de Champions League à Kiev. De nouveau contre Wolfsburg, qu'est-ce que ça fait? Bah forcément, c'est beaucoup de satisfaction parce qu'on avait comme objectif de se qualifier pour cette finale. Et voilà, l'avoir fait et l'avoir emporté à domicile comme ça face à Manchester City, c'est une très bonne chose. Et voilà, on a déjà hâte d'y être, mais avant ça, il y a d'autres échéances. Donc on va se concentrer déjà sur celles-ci, celles qui viennent, et voilà, pour préparer au mieux la finale. Vous êtes aussi l'ambassadrice de la Coupe du Monde U20 féminine en Bretagne, Normandie aussi. Qu'est-ce que ça fait pour vous? Bah, c'est forcément une grande fierté que la Coupe du Monde se déroule là-bas, étant donné que je suis originaire de la Bretagne. Et voilà, je pense que ça va être une belle compétition et que la France sera très bien accueillie là-bas, et j'espère qu'elles feront de très bonnes choses. Il y a beaucoup d'équipes qui vont venir, Brésil entre autres, Mexique, la France joue contre les Pays-Bas entre autres. Oui, bah oui, forcément, c'est la Coupe du Monde, donc il y a pas mal de pays, et voilà, ce sera, comme je l'ai dit, j'espère que ça sera une belle fête du football et qu'il y aura beaucoup de monde qui viendra assister à cette compétition. Et voilà, je souhaite le meilleur à l'équipe de France. Oui. Et pour vous, l'objectif, c'est aussi la Coupe du Monde en France 2019, je pense. Oui, forcément, c'est un objectif. Après, c'est quand même dans un an, donc voilà, il y a le temps, il y a des échéances en club aussi avant, et voilà, on va préparer cette Coupe du Monde au mieux. Ok, merci et bonne chance. Merci.